Merci Nicolas Bois d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes directeur et fondateur du site Monde Afrique, vous êtes spécialiste notamment de l'Algérie. Alors est-ce qu'on peut faire un premier bilan 6 mois après la contestation populaire qui veut changer le système politique algérien? C'est forcément une explosion de libération de la parole, espèce de redécouverte de la politique par le peuple algérien, ces millions de gens dans la rue. Bon, bien sûr qu'après toutes ces années de censure, de répression, où la police politique était absolument prégnante dans tout le champ culturel, politique, social algérien, évidemment, on applaudit, tout le monde applaudit. Ça a été un grand, grand bonheur de voir ces foules manifester. Bon, après, le Irak, aujourd'hui, bon, je crois qu'on a une vision peut-être un petit peu déformée depuis Paris, parce que les images qu'on voit, elles viennent d'Alger, principalement, des grandes villes, Oran, éventuellement, et puis des manifestations, Place de la République. C'est un public particulier, très éduqué, citadin, souvent kabyle, francophone, moderniste. C'est pas forcément le Irak des territoires algériens de l'intérieur, où il semble que les valeurs qui sont portées par tous ces manifestants, c'est sur des valeurs très nationalistes, très islamistes, pas au sens des années des noires, des années 1990-98. C'est des valeurs conservatrices religieuses. Aujourd'hui, dès qu'on quitte Alger, à quelques dizaines de kilomètres, c'est une autre Algérie qu'on voit, où tout le monde fait le ramadan, tout le monde fait la prière. C'est donc très, 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 une demande d'identité religieuse forte, comme qu'on retrouve d'ailleurs en France, au sein de la communauté musulmane, et aussi une forme de modernisme, c'est-à-dire incontestablement, ces manifestants, même des wilayas de l'intérieur, demandent un changement politique et demandent, si vous voulez, ça fait penser un petit peu au modèle turc. Seul problème, c'est qu'en Algérie, il n'y a pas un mouvement comme l'AKP qui structure ces manifestations. Il y a après donc toutes ces décennies où la classe politique, la classe journalistique ont été encadrés, corrompus et aux ordres, il y a une difficulté immense du peuple algérien à structurer ses revendications, à désigner des leaders. Il y a une crise du leadership totale qui rend effectivement le compromis qui doit être passé aujourd'hui entre l'institution militaire, qui est le pouvoir réel aujourd'hui en Algérie, ce qui reste de l'État algérien, et ces mobilisations populaires, ce compromis, eh ben, il est apparemment très, très difficile à élaborer. Alors vous avez interrogé récemment un haut gradé algérien proche de Gaïd Salah, le chef d'état-major, enfin le patron de l'armée algérienne. Et ce gradé algérien dit, au sujet de l'institution militaire algérienne, il dit « l'institution militaire algérienne n'avance pas à l'aveugle, mais selon un projet et un calendrier parfaitement identifié et assumé ». C'est exact que vraiment quand on suit vraiment même les déclarations de Gaïd Salah quasiment chaque semaine ou qu'on lit le journal de l'armée, on voit que la stratégie depuis le mois de février-mars est très claire. C'est une stratégie de guerre éclair, de blitzkrieg, il faut faire vite. Gaïd Salah veut aller très vite au présidentiel. Bon, il vient d'annoncer que la date limite pour la fixation est le 15 septembre, donc ça aurait lieu avant la fin. Le 15 décembre. Le 15 décembre, oui. Et donc 15 septembre, on fixe la date. Donc il veut aller vite. Il a absolument jamais changé de ligne depuis le départ. Il ne veut absolument pas qu'on puisse lui reprocher de prendre le pouvoir, la totalité du pouvoir, même si effectivement l'institution militaire ne va jamais renoncer à la plupart de ses prérogatives, mais des prérogatives qui placent l'armée comme une gardienne de la sécurité du territoire, des valeurs fondamentales, de l'harmonie sociale, mais ils ne veulent pas prendre les rênes du gouvernement. Donc il leur faut absolument un pouvoir légal, légitime et donc élu démocratiquement. Je crois que vraiment autour de Gaïd Salah, il y a vraiment on évoquait le modèle turc il est démocratique,
Erdogan, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est élu démocratiquement. Démocratiquement. Et je pense que c'est ce modèle que l'armée. Encore faut-il trouver l'oiseau rare. C'est une expression de l'islamiste tunisien Ranouchi, l'oiseau rare, qui va pouvoir être un président à la fois reconnu par l'institution militaire et adoubé par les mobilisations. Et ça, l'exercice semble très, très, très difficile. Sur les relations franco-algériennes, vous affirmez qu'il risque d'y avoir certainement des révélations sur le soutien apporté par les services secrets français au régime de Bouteflika finissant. Vous évoquez à ce sujet d'ailleurs une réunion qui aurait eu lieu en France entre des membres des services secrets français, la DGSE, ainsi qu'un attaché militaire, enfin, l'attaché militaire algérien de l'ambassade d'Algérie en France, qui depuis a été arrêté. Ce qui est certain, c'est que la France a apporté son soutien jusqu'au bout au régime précédent et au président Bouteflika. On se rappelle le tweet que depuis Djibouti, Emmanuel Macron avait fait pour se réjouir des ultimes initiatives du clan Bouteflika pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, par les enquêtes qui ont été faites par la justice militaire algérienne, il semble que des réunions même aient eu lieu, et à Alger et à Paris, entre à la fois les services secrets français, la DGSE, et l'attaché militaire algérien à Paris, qui était en fait le coordinateur à l'époque des services algériens à Paris. Et quand les réunions avaient lieu à Alger, le général Tartak était le chef des services, et même Saïd Bouteflika, le frère du président, était présent à ces réunions. Et de quoi il s'agissait dans ces réunions? Eh bien, c'était de trouver une porte de sortie pour le système en place. Il s'agissait d'éliminer Gaïd Salah, qui apparaissait comme une menace par rapport au plan de la présidente, et éventuellement de décréter aussi l'état d'urgence. Alors, ce qui a choqué l'institution militaire, qui aujourd'hui est au pouvoir à Alger, c'est que ces réunions ont donné lieu à des comptes rendus qui n'ont jamais été transmis à l'état-major et qui ont été cantonnés effectivement au clan Bouteflika et aux proches de la présidente. Donc la conclusion de tout ça, pour les autorités algériennes actuelles, c'est que la France a tout fait pour aider le régime de Bouteflika à se perpétuer. Et à tel point d'ailleurs que l'attaché militaire algérien à Paris est aujourd'hui en prison à Blida et devrait être traduit en jugement. Mais est-ce que la France continue à exercer son influence en Algérie? Est-ce qu'elle a encore des relais dans le système algérien? Je pense qu'elle aimerait bien continuer à exercer une influence, mais incontestablement, ces relais historiques sont au plus mal. Pour n'en citer que quelques-uns, Issad Rebrab, d'affaire Kabyle, est aujourd'hui en prison. On connaît les liens qu'il avait avec Emmanuel Macron. L'ancien ministre Bouchareb est recherché par la justice militaire algérienne. On connaît lui aussi les liens qu'il avait avec l'Élysée. Et plus généralement, les réseaux de l'ex-DRS, du général Toufi, qui était extrêmement fort à Paris. Et aujourd'hui, ils sont en but à une guerre sans merci avec l'institution militaire qui a effectivement le pouvoir. Donc, et il y a eu un dernier événement aussi qui montre bien la limite aujourd'hui de l'influence française. C'est que l'ambassadeur qui a été nommé par Alger à Paris, qui vient d'arriver, est un ambassadeur qui est très lié aux Américains, puisqu'il a passé 15 ans de sa vie aux États-Unis comme ambassadeur à l'ONU, puis l'ambassadeur à Washington. Et il vient ici avec son équipe, son attaché militaire à Washington, et même des fonctionnaires algériens qui étaient en poste à l'OTAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'influence américaine est beaucoup plus forte maintenant par rapport à l'influence américaine française. A toujours été forte. On sait que notamment, même au début de Bouteflika, les liens ont toujours été très forts et avec Bouteflika, et même à l'époque avec le DRS. Mais aujourd'hui, elle est absolument très dominante avec les nouvelles autorités, tout comme d'ailleurs l'influence russe, puisqu'on sait que traditionnellement, l'armée algérienne fait l'essentiel de ses commandes militaires en Russie. Et que les liens existent entre Gaïd Salah et Moscou. Alors, comment expliquez-vous toutes ces arrestations d'hommes politiques, de ministres, de premiers ministres, mais également de militaires? Est-ce que c'est un énième règlement de compte entre les différents clans du système ou une réelle lutte
contre la corruption ? Ah, je crois qu'il y a vraiment les deux. Il y a incontestablement une lutte contre la corruption qui avait atteint quand même des sommets sous Bouteflika, avec tous ces oligarques qui se sont enrichis de façon absolument abyssale, alors que c'était à peine des industriels et qu'ils n'ont pas beaucoup développé l'Algérie ces dernières années. On est dans une situation, on le sait, économique, financière, extrêmement grave, mais qui est due à la gestion de l'ancien pouvoir qui est... Mais il y a aussi effectivement du règlement de compte, notamment dans l'arrestation d'un certain nombre de militaires, puisqu'on assiste aujourd'hui en Algérie, peut-être pour la première fois de son histoire, à une lutte au couteau entre plusieurs clans au sein de l'armée. Alors il y a évidemment l'état-major, incarné par Gaïzala, et l'ancien DRS. Et là, aujourd'hui, il y a une espèce de paranoïa aujourd'hui du pouvoir algérien sur tout ce qui pourrait... représenter ces anciens réseaux du DRS, et avec un procès qu'il aurait fait que de vouloir déstabiliser aujourd'hui le régime pour revenir en force, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'effectivement, on voit bien dans certaines mêmes manifestations, etc., des tentatives d'instrumentalisation des manifestants. Mais autre élément qui est moins souligné, c'est que cette division au sein des forces armées algériennes, elle existe aussi au sein même de l'état-major, où le collège des généraux, cette vingtaine de généraux majors qui dirigent effectivement le pays sur un mode très collégial, ils sont loin d'être tous d'accord entre eux, et notamment ils sont loin d'être d'accord sur le type de compromis qu'il faut passer aujourd'hui avec les manifestations populaires du vendredi. Tous ont leurs candidats. Bon, il y a plusieurs noms qui sont cités. Ali Benflis, qui semble avoir actuellement le vent en poupe auprès de Gaïzala. Mais il y a quelques semaines, on parlait beaucoup de Ben Bitour, l'ancien Premier ministre, lui aussi de Bouteflika. On parle aussi d'Amrouche, bon, qui vient effectivement d'apporter un appui très, très... fort à la stratégie de l'état-major, en réclamant lui aussi des élections rapides. Mais le problème, c'est que traditionnellement, le mode de décision au sein de l'armée algérienne était collégial, mais à un moment, on sifflait la fin de la récréation et une décision était prise qui était respectée par l'ensemble du corps et l'ensemble de l'armée. Aujourd'hui, il y a des tiraillements extrêmement importants, et avec, on le voit bien à travers un renouvellement des cadres de l'armée à un rythme accéléré qui continue. Bon, et donc, il y a une institution militaire dans sa globalité qui est moins cohérente, solide, solidaire qu'elle n'a été, ce qui explique que quand même le navire algérien soit vraiment... secoué par toutes sortes, pourrait être secoué par toutes sortes de torpètes dans les semaines à venir. Merci à vous, Nicolas Beau. Merci.